Allô, bonsoir. Qui est présent? Êtes-vous là? Êtes-vous présent? Êtes-vous en pleine forme? Êtes-vous joie? Est-ce que le son va bien? Est-ce que tout ça? Bon, j'ai peut-être la musique qui est un peu forte, mais c'est un détail. Un détail qui peut être vite réglé parce qu'il faut qu'elle se calme quand même. Parce que bah, tu sais quoi, tais-toi. Voilà. Tu sais quoi? Là, faut que ça commence. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. C'est bon, il y a du monde, je vois ça. Donc, deuxième live sur ce Let's Replay sur Detroit Become Human. En mode, bien sûr, Terminator. Hein, je vous rappelle les objectifs qui sont notés en haut à droite. Nous avons le mode Budding entre Kara et Alice, hein, qui s'aime pas trop. Kara qui est toujours là pour rabaisser un petit peu. Quand Alice demande si tu peux me promettre qu'on sera toujours ensemble, et ben là il y a Kara qui arrive, elle arrive et elle dit non. Voilà, ça c'est Kara. Connor va être full robot, donc en mode avec Amanda, plus ce petit bonheur de toujours mettre un petit pic dans Hank, hein, toujours. Donc l'amitié va être très 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 bas normalement. Mais c'est surtout full robot. Hein. Si on doit augmenter l'amitié pour rester full robot, on augmentera l'amitié. Mais bon, c'est le petit bonus, c'est de piquer Hank. Et bien sûr, Marcus Terminator, donc, qui va engager une révolution violente dans le sang, les larmes et la mort. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Je vous rappelle, bonjour Christelle, je viens de te voir. Je vous rappelle que le chat YouTube sera en mode soutien / sponsor dans quelques minutes. Donc seuls les sponsors, donc ceux qui ont participé financièrement, pourront parler. Vous pouvez de toute façon aller sur Twitch, le live est en double, il est à la fois sur YouTube et sur Twitch. Donc vous pouvez de toute façon aller sur Twitch pour parler gratuitement, il n'y a pas de problème, il y a les deux chats comme vous voyez sur l'écran. Également il y a l'amino du jeu dans la description du live. Je vous invite à faire des dessins en particulier en rapport avec le sujet du jour. Je ne sais pas si on aura un délire, mais n'hésitez pas à faire un petit dessin et puis à le partager sur l'amino. Étant partenaire avec eux, hein, je balance la communauté, tu vois, sur les aminos du jeu. Et puis peut-être que je ferai un sondage, je verrai s'il n'y a pas un choix à un moment donné qui peut être marrant de laisser les gens décider. Voilà, tout simplement. Bonjour Screaming Mouse, Screaming Moose, bienvenue en team soutien. Bienvenue d'ailleurs pour les sponsors. Savez-vous que quelque chose est apparu? On a eu Sidon la dernière fois, mais attendez. On a aussi ce genre de choses. Bon, c'est fait vite fait, mais quand même. Pas dire, mais ça c'est la petite tête de Connor avec des cœurs sur la tête. Voilà, bon je le dis comme ça. Je vous le dis, c'est vraiment... c'est comme ça. Bon, j'aurais peut-être pu l'agrandir un petit peu, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, il est temps d'activer le mode magique, le mode sponsor. Je vais recharger cette page. On active ça, je le rappelle, vous pouvez aller sur Twitch pour continuer à discuter gratuitement. Il y a une appli Twitch, il y a un site Twitch. Si vous cherchez mon Twitch, en fait, vous écrivez Twitch, super brioche, sur Google, et vous le trouverez. Et puis c'est tout. C'est franchement pas compliqué. Vraiment, faut voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors. Hop. Nous allons augmenter le son du jeu parce qu'on va pas tarder à commencer. Voilà. Et on va activer le mode Terminator. On est ensemble jusqu'à environ 23h. Bon, si on finit une scène juste avant, on s'arrêtera juste avant. Si on est en plein dans une scène, on s'arrêtera juste après. Hein. C'est pas une science exacte. Et bienvenue du coup au sponsor. Bienvenue dans votre chat privatisé. Installez-vous dans les canapés moelleux. Prenez un verre de Meiti, du coup. N'importe quelle boisson. Mais bon, on essaye de faire de la pub pour Meiti, même si... Je n'ai pas de partenariat avec eux, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, on va tenter. Voilà. Écoutez, je crois que tout le monde est prêt. On ne va pas attendre la fin du chrono et on va démarrer. Ok? Alors attention les yeux, je vous rappelle que j'ai un petit filtre noir là, parce que l'écran, le menu principal est très, très blanc. Attention vos yeux. Hein, je mets quand même un chrono de 50 minutes pour qu'on ait un ordre d'idée pour une prochaine pause. Mais, comme je vous l'ai dit, hein, s'il y a
s'il y a une scène, puis ça se trouve j'aurais pas envie de faire de pause, mais bon, c'est juste pour donner un ordre d'idée, puis si j'y pense, tu vois, je me lance. Je me lance. Alors, on va mettre une pause dans 50 minutes. Préparez vos yeux, ça va passer en mode blancheur dans pas longtemps. Je vais mettre le chrono ici. Voilà. On enlève le filtre noir. Voilà, on met la cam. On met la cam. Bonjour. Tiens, d'ailleurs, j'ai mon antenne, là, je capte. Hop, derrière. Et puis, on continue. Je sais pas à quelle scène on s'était arrêté, finalement. Ah, faut que j'enlève le truc amino aussi, puisque on va pas le laisser pendant le jeu. Zoup, zoup, zoup. Voilà. C'est parti. Attention à la blancheur. C'est parti. Chargement des ténèbres. Je sais plus où on était. Quelle scène on avait, là? Ça va pour le son, au fait, hein, tout... Chloé n'est pas revenue. Si, ils m'ont proposé, mais j'ai pas voulu. Je l'avais libérée, c'est pas pour la faire revenir après. Enfin, ça fait un peu con, enfin, je sais pas. Oui, tu es libre, tu n'es plus esclave des humains. Mais... Oh, je m'ennuie, reviens. Enfin bref, non, ça m'a pas plu. Enfin, c'est pas la même, mais bref, ça m'a pas plu. J'ai dit non. Je trouvais pas ça cohérent. Parce qu'effectivement, le jeu te repropose de récupérer Chloé, donc le robot qu'on avait au début. Mais vu qu'on l'a libéré... Ah, ok, on était à Jericho. Ah bah, le mode Terminator va pouvoir débarquer. C'est parti. Qui êtes-vous? Des fugitifs. Comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. North. Bonjour. Vous saviez que seul un androïde pouvait suivre la piste, je me trompe? Seuls ceux qui sont comme nous peuvent trouver Jericho. Si tu as pu déchiffrer les signes, c'est que l'un de nous t'a fait confiance et t'a donné la clé. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho. Mmh. Et c'est ça votre liberté? Se cacher pour survivre, c'est ça la liberté pour vous? Les humains nous haïssent. Se cacher est notre seul moyen de survivre. Les androïdes comme nous sont en sécurité nulle part. Si les humains nous trouvaient, ils nous tueraient. Alors c'est ça, Jericho? C'est un refuge pour ceux qui veulent plus être des esclaves. C'est une poubelle. J'ai pas d'autre mot. C'est une poubelle. Un cargo délabré. Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été. Faut être lucide. Les humains étaient vos maîtres et maintenant c'est la peur qui vous guide. Vous n'êtes pas plus libre qu'avant. Vous avez juste trouvé un nouveau maître. T'es perdu. Comme nous tous ici. Alors attention, on va pas essayer non plus d'être détesté par Jericho, hein. C'est vivre avec. Parce qu'on peut tout à fait se faire détester, limite se faire virer du groupe. Tu es en sécurité. On va pas non plus en arriver là. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. On va être à fond avec les idées, je pense, de Norse. Moins avec les autres. Elle pourra peut-être t'aider. Terminator activé. On va parler à tous ceux avec qui on peut avoir des jauges de... bah des jauges de réputation, j'appelle ça la réputation, mais bon, vous savez très bien de quoi on parle. Et puis on va au moins essayer de se faire apprécier de Norse. Essayer, hein, c'est pas forcément nécessaire, mais... Coucou! Je suis là pour la violence, tu adores la violence? La plupart de ces androïdes sont en sale état. C'est comme ça que les humains traitent ceux qui désobéissent. Ils nous méprisent. Je suis d'accord. Jamais ils nous accepteront. Tuons-les! Soutien de début de live, merci Cora. Tuons-les! On veut des pièces de rechange. Les androïdes ont besoin de pièces et de sang bleu. Pourquoi personne n'est allé leur en chercher? C'est pas si simple. On peut pas aller les acheter dans un magasin Cyberlife. De toute façon, personne ne veut risquer de quitter Jericho. Ça fait longtemps que t'es ici? 4 semaines, 3 jours et 11 heures. Quand je me suis enfui, j'avais nulle part où aller. Jericho m'a paru être une bonne solution. Si t'es venu chercher du réconfort, tu t'es trompé d'endroit. Y'a pas de souci. Je ne veux pas du réconfort. Je veux découper des membres. Au revoir. Bon, on n'a pas baissé la réputation, c'est bien, elle reste neutre. On va checker du coup la caisse, puisque c'est là qu'on... On voit où il faut aller. D'ailleurs, cette fameuse mission, on va essayer de ne pas la rater, mais... Au premier, ce sera en tuant des gens. Versons le sang.
Alors je vous dis, pour le moment, c'est franchement pas l'idée de laisser mourir les gens. Hein. Mode Terminator, ça veut dire tuer les humains, mais pas les robots. Bonjour. Tuer les êtres humains t'intéresse-t-il ? Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui. Il vivait dans la rue quand on l'a trouvé, on l'a amené ici. Eh ben branche le succès sur il secteur. Il doit se désactiver, ce sera pas le seul si on trouve pas une solution. On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver. On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés, mais... c'est jamais Toudou. Suffisant. Si on sait ça, l'humain... Impossible. Nous nous éteignons à petit feu. Bon, lui, il est pas très intéressant parce que je crois qu'il n'y a pas de choix finalement. Il nous explique juste la situation. Et Simon, je sais plus si on peut. Eh, oh là, manette, tu comprends, c'est là-bas que je vais aller. Non, Simon ne veut pas parler. Écoutez, on va pas allumer les bras zéro, on va pas parler aux robots qui vont se désactiver. On va directement voir l'oracle pour passer cette scène et passer à quelque chose de plus intéressant. Je veux dire. Bonjour. Amenez-lui des piles AA. C'est toi, Lucie ? Assieds-toi. Ah oui, tu peux y aller pour les fanarts sur Lamino, il n'y a pas de souci. N'hésite pas à aller sur le Lamino de Detroit Become Human. Il y a l'idée de Lamino FR dans la description du live. Et ça participe au partenariat avec Amino, donc c'est super. Et puis je les regarde après les lives et je mets des petits likes et je dis que c'est cool. Parce qu'il y en a qui sont vraiment cool d'ailleurs. Je dis pas ça juste pour faire plaisir. Je vais arrêter les Marpouille. Bonsoir Brioche, je loupe une bonne partie des lives de ce soir, mais je regardais... Ah, tu regarderas vers 21h. Pas de soucis, t'inquiète pas. Merci pour ton soutien. Alors comme on est dans un jeu où il y a quand même beaucoup de dialogue et tout ça, je vais pas forcément tout le temps lire les soutiens. Je sais très bien si on est dans un truc... faut qu'on soit un petit peu concentré. Mais pour les dessins sur Lamino, attendez peut-être, enfin c'est comme vous voulez, hein, mais attendez peut-être qu'il y ait un truc qui se dégage du live, tu vois, parce que la dernière fois il y avait quand même des délires. Peut-être que ça va revenir. Un petit truc, quoi, un petit truc. On verra. Donne-moi ta main. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de choix, donc on avance tranquillement, hein, c'est pour ça. Et oui, le délire du café, Hank, exactement, c'est ça. Un café? C'est genre, je te propose un café. Bon, j'ai une bouteille vide, hein, super. Un café? Et non. Voilà, tout ce que j'ai, c'est une bouteille vide d'eau pétillante saveur citron. La dèche. Non, j'ai quand même un petit gâteau. Maintenant, il te hante. Ton cœur est troublé. Oui, partagé entre l'ombre et la lumière. Oui, Sora, pas de soucis. Que choisiras-tu ? Je reste dans la lumière, c'est moi qui ouvrirai la porte. Tes choix forgeront ton destin. Pour Kingdom Hearts. Floralis, je la trouve classe, Lucie, mais clairement, je l'avais dit dans le let's play, j'aime beaucoup son style. Proposer le plan à Simon. Le petit gâteau des familles. Le petit gâteau Little. Le délice de Kerloch. Je sais où on peut trouver des pièces. Voilà la marque. Les entrepôts de Cyberlife dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Les quais sont surveillés. On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. Possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Ah. North, North. Ça vaut peut-être le coup d'essayer.
Évidemment, pour l'instant, je vous dis, il y avait pas trop de choix. Lui, il va dire, on est d'accord, c'est bon. Après, ils savent pas se battre, okay. Mais franchement, quand tu vois Kara, je te suis. Le robot ménager, elle fout des sacrées tornioles. Hein. Ok. Bon, je pense pas qu'ici, on avait raté des choses déjà la première fois, donc pas de problème. You're too late with your coffee. Alors, où sommes-nous? Ah, on n'est pas chez l'autre, là? Alice est distante. Attention, attention, hein. Je vous rappelle que s'il y a des erreurs, on peut recommencer le chapitre, il n'y a pas de souci. Ça va aller. On va trouver de l'aide ici. Bientôt, tout ça ne sera plus qu'un mauvais. Bien sûr, on va trouver de l'aide. Dans le manoir des Malfoy. Ça donne très envie d'y aller, là. On est arrivé. Vraiment magnifique ici. Vraiment magnifique. Allez, on y va. Comment il s'appelle déjà, lui? J'ai oublié son nom. Alus va mourir. C'est vrai qu'elle s'appelle Alus. Alus. Non, il faut pas tuer Alus, hein. Ou du moins pas avant la fin du jeu. Sinon, on va mettre fin au scénario de Kara, ça va pas. Zlatko, oui, voilà. Sonne, laisse ton doigt dessus, mode relou. Bonsoir. Vous êtes Zlatko? Bon quoi? On m'a dit que vous pouviez nous aider. On vous a mal renseigné, vous vous êtes trompé d'endroit. Désolé. Attendez! On a vraiment besoin de votre aide. Oui, on va tenter de se laisser formater. Ce sera l'occasion de manger un bon petit gâteau Lidl. Bonjour Karma. Hank, tu as dit homicide. J'adore quand il dit ça. Allez, entrez. Ne soyez pas timide. J'arrive. Luther, est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames? Et voici le grand, le seul et l'unique Black Mamba. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidé. J'adore les Black Mamba. Il m'a accompagné dans cette sont toujours mieux. Grande bicoque toute vide. Black Mamba en mode double piste, je sais pas, on peut être distant aussi avec lui, hein. Il fait très John Café aussi. Comment avez-vous entendu parler de moi? Par un androïde. Dans la rue, il a dit que vous pouviez nous aider. Barrette, oui. Je vois. Ce mec inspire tellement confiance, mais clairement. Il a le sang bleu sur les mains, là. Une déviante, hein? Une maison pourrie. Et elle? Aucun danger à l'horizon. Elle est humaine. Et vous voulez trouver un endroit sûr où vous pourrez commencer une nouvelle vie. Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques, les grands espaces, l'air pur, et pas de loi sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui, c'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Je peux vous aider. Mais d'abord, on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur? Oui. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Je vais t'enlever le tien et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. Venez, suivez-moi. Mais j'arrive. La petite peut nous attendre dans le salon. Non, elle va me suivre. Elle reste toujours avec moi. Voilà. J'ai une confiance entière. Suivez-moi. Tout 100%. Mon matériel est au sous-sol. Il est bourru, mais gentil. Allons au sous-sol humide et délabré. Je crois qu'elle demande là si on a confiance, on va être contre J'aime elle. Pas cet endroit. Mais pourquoi? Cet homme. Mais pourquoi? On y va. J'ai un mauvais pressentiment.
Mais t'inquiète, on n'a pas le choix. Alice, on a nulle part où aller. On doit lui faire confiance. Mais voilà. Arrête de chialer, hein. On va pas... on va essayer... Je sais pas si c'est important de libérer les... J'avais besoin d'un endroit où cacher les machines. C'est pas grave. Retirer les traceurs est illégal, alors j'ai misé sur la discrétion plutôt que le confort. J'espère que la petite n'a pas trop peur. Non. Non, ça va aller. Tant mieux. Ah, elle veut absolument qu'on aille voir. Ok, d'accord. On n'a pas le choix. Viens, Alice. Après, on n'est pas obligé de les libérer tout à l'heure. On laisse ça, on l'a vu, mais... C'est ici? Je m'installe? C'est ici? Y a pas de problème. Ça a l'air très confortable si et très sûr. Bien monter là-dessus. Super, j'adore les attractions. Nouvelles expériences, tout ça. Faut découvrir dans la vie. La vie est un apprentissage permanent. Tais-toi, Alice, je te laisse ici. Je vais être honnête. Ça va pas être très agréable. Tu sais ce qui est étrange? Pour une raison inconnue, le traceur cesse de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Hein? Du coup, il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Quoi? It was a trap? Ouais, je sais. Oh my god! Les gens so croient suspect. Ce qu'ils veulent. Vous, les déviants, vous êtes si naïfs. Je suis comme ça, là. Je suis comme ça. Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors... Alors oui, je vous formate. Et je vous vends. Ou je vous garde pour mes... petites expériences. Non! Non! Je veux pas être formaté! Laissez-moi! Kara! Oh! J'avais oublié la gamine. Enferme-la. Je m'en occuperai plus tard. Alice! Non, Alice! Non! Eh bien, une déviante qui voulait être mère. C'est comme c'est touchant. Et tellement naïf. Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. Vas-y, je te regarde. Voilà ce que c'est que de rêver. Ça se termine toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Et le sang moi. Du sang. Ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. D'accord. Plus allez. De douleur. Allez. Plus de... d'espoir brisé. Plus d'alus. Je t'envierai presque. Kara. Oh, pauvre petite Alice. Oh. On dirait que ta maman ne se souvient plus de toi, hein. Oh, elle t'a complètement oublié. Kara, qu'est-ce qui t'arrive? Allô? Allez, ça suffit, viens. Je te capte mal. Un mordu. Je vais t'apprendre les bonnes manières, sale petite garce. Kara, réveille-toi, Kara. Elle est partie. Rejoins-moi dans le salon. Si je veux. Ok, ok. Bah, c'était sympa votre petit discours. J'ai beaucoup aimé. Bon. Bah, on va se faire une petite sieste. Hein. C'est une petite sieste. Combien il reste de temps là? On a déjà fait. Oh, on a fait 30%. On est large. On est large. Le petit coucou. Moi, j'aurais vraiment voulu pousser le mec dans le puits, là. C'était tellement... tellement tentant. Le câble bleu!
On peut ajouter du drama, tu sais, tu pousses quelques objets quand même. Pour faire genre, je veux continuer. J'ai envie de savoir ce que ça fait, j'ai envie de savoir ce que ça fait. Ah bah ça marche bien. Ça sert à rien du tout. Oh, c'était cool, le câble bleu était vraiment... Ah, c'est déjà fini. Très bien. C'est fini? Bon. Bonjour, je vais nettoyer la grange, la cave, nettoyage en cours, nettoyer tous les humains, nettoyer. Rejoindre Luther dans le salon. Ah. Attends, il se passe quoi si on se regarde dans le miroir? Qui suis-je? D'accord. Ok. Merci Okami pour ton soutien de la réunion. Merci. Il est où le salon? Apporte-le-lui. J'adore oui, ça. Luther. Où est la cuisine? Où est le dîner? Ah. Ah, il est là. Ah bah c'est pas le même dîner que... Que Karl, hein. Là je crois qu'on a eu, on est sur un paquet de chips. On est sur du diététique. En même temps, c'est mieux, non? Enfin, je sais pas. Maître, je vous apporte votre royal paquet de chips. Dégustez ces arômes artificiels. Pose-le sur la table, là-bas. Ok. Oh, ça a l'air cool ici, ça a l'air cool. Tiens, pose-la, paf. Enlève-moi cette carcasse et mets-la à côté. Cela se paraît sentir un mot. Cette sacrée est malardée pour un putain de comptable. T'as entendu ce que j'ai dit? Oui, c'est Zlatko. Alors, Key not found. Ah ouais, mais ça bug complet là, ça bug. On va vous déplacer, mademoiselle. Luther! Monsieur. Luther! Où est-ce que je vous mets? Oui, Zlatko. J'aurai terminé dans 10 minutes environ. Après, je verrai ce que je peux faire de la petite. Entendu, Zlatko. J'ai pas compris où je vais te laisser. Dans 10 minutes. 10 minutes. Eh ben, c'est passionnant, mais qu'est-ce que je fais de ça, moi? Je l'emmène. Au pire, je l'emmène à Alus. Elle sera ravie. Ah, oh, mettre la carcasse dans la pièce d'à côté. Voilà, merci. Merci de me faire des petits rappels, c'est très gentil. Ah! Bonjour. Ma foi. Bonjour. Pardon, je voudrais passer. Insupportable. Oh, il y a une cage et tout là, ça a l'air sympa. Il y a une espèce de gros truc. Je vais peut-être le mettre là. Non, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Quel colis horrible! Qu'est-ce que je pose ce paquet? S'il vous plaît! S'il vous plaît, où est-ce que je pose ça? C'est terrible! Attends, ça commence à me gonfler. Y a que la grosse dindonne qui rampe là qui m'intéresse? Ah non, posé, voilà, merci. C'était juste en face, en fait.
en face de la porte. Qui est la petite fille ? Souviens-toi. Alice. Ah, regarde, je peux observer. Ah mais c'est pour se rappeler en fait. De toute façon on sait où elle est vu qu'on l'a déjà fait, donc on peut aller checker vite fait. Bon, n'empêche... Je sais pas si on va directement la voir, je sais pas ce qui se passera en fait. N'empêche que le formatage du type, il est pas fou hein. Mon nom est Kara, il manque... Ok. Ok, la porte est là, sauf qu'il me faut encore quelques souvenirs pour qu'elle dise mon nom est Kara et... Ouvre la porte. Faut pas oublier ça quand même, c'est primordial, c'est nécessaire, je veux dire. C'est inscrit dans le code de tout le monde, ouvrir une porte. Y a-t-il un petit souvenir... Tiens, là. Ah, voilà. Alice in Wonderland. Ça devrait suffire, non? On était presque... Mon nom est Kara. Voilà. Alice. Ok. Maintenant, on peut aller la récupérer. Trouver Alice. Pas de soucis, on y va. Pas de soucis, on y va. Et du coup, on est passé en mode discrétion, parce que maintenant, on se souvient. Donc, on y va tranquille. Attention, c'est le moment d'avoir les bonnes réponses avec cette chère Alice. Ah non, 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 non. Très bien, Zlatko. Demi-tour, demi-tour du coup, demi-tour. Ok, on est en mode discrétion. Viens, 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 viens. Oui, doucement la ouverture de porte. Viens. Passe par cette porte-là. Zlatko ! Quoi ? La petite a disparu. Pousse-toi. Tu disparais comme ça. Viens, 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 viens. Quelque part. Bon alors, qu'est-ce que t'attends ? In the placard, in the placard. Merde. Où ils sont passés? En face de la meuf en slip. Vas-y, trouve-les, bordel. Sois discret. Y'a quelqu'un? Il est là. Saloperie d'androïde. J'aurais dû la mettre en pièce. Qu'est-ce qu'il trafique? Qu'est-ce qu'il trafique? Les déviants. Cause toujours. Des problèmes. Il est parti? Non, non, il est pas parti. Ok. Ok, ok, c'est génial. S'échapper. Vas-y, vas-y, ouvre la porte, hein. Vers le couloir, faut bien checker quand même. Doucement, doucement, on sait jamais, il est peut-être là, hein. Discrétion totale. Discrétion totale. Waouh, 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 on s'échappe, faut pas mourir, faut pas mourir, faut pas mourir. Wouh. Run, run, run! Non, c'est pris une torgnole! Pousse l'horloge! Pousse l'horloge! Vous pouvez pas m'échapper!
Viens, fonce, fonce. Ne pas mourir, c'est l'objectif quand même. Ah. Hé, hey, j'y ai paru. Ah non, c'est... Très bien. Run! À droite! Ouais, il est pas très pressé, Black Mamba. Tu sens qu'il veut pas, quoi. Gourde. Vas-y, Alice. Mais quelle gourde? Non, non, je te laisserai pas. Cours le plus vite possible. Moi, je t'aurais laissé. Cours. Bienvenue, Zulk. Hein. Les rêves se terminent toujours par des... Et plans. Merci, Floralis. Tu aurais dû m'écouter. Non. Qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi de là. Non. Pas cette fois. Allez, pousse-toi, je te dis, ou bien je te tire dessus! Comment oses-tu? Je t'ai créé! Obéis-moi! Je suis ton maître! Non! Et un humain mort de plus. La révolution commence! Mais voilà. Non, je suis pas partenaire Twitch, alors vous pouvez pas avoir les trucs sur Twitch. Je ne voulais pas vous faire de mal. Il m'a programmé pour lui obéir. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver, c'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je voyais enfin. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière. Je peux vous conduire à elle. Je vous protégerai. Hello Loïc. Toi et la petite. Je regarde dans un passé lointain de 30 minutes. Ok. Merci à toi. Je te fais confiance. Merci beaucoup. Bon, on a confiance dans le type qui vient de tuer notre geôlier, y'a pas de soucis. Il est grand et fort. Bon, c'est finalement une victoire, puisque déjà on n'est pas mort, hein, c'est quand même l'objectif de pas mourir, pas avant la fin du mois, et on n'a pas augmenté la réputation, donc c'est pas mal. Par contre, je ne sais pas si un jour je réussirai quand même à sortir de cette maison de façon discrète, mais c'est pas pour aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qui se passe? Et si on revoyait notre cher Connor? Ah, la même blague, c'est pas pour tout de suite. Hein. Non, je suis pas partenaire Twitch. Du coup, je ne peux pas avoir les emojis que j'ai sur YouTube sur Twitch. Ils veulent pas qu'on soit à la fois sur YouTube et sur Twitch. Donc, elle est où, m'en demande, là? À droite. C'est le moment de faire péter les emoji Connor, là. Connor avec des cœurs. Amanda, là où il fout. Allons voir notre chère Mama Black. Ah, mais c'est pas elle, la Mama... Bonjour, Black. Amanda. Connor, je t'attendais. Elle, c'est une femme noire random. Voilà. Elle est random. Mama Black, c'est... Comment elle s'appelle déjà? Moi, oh, je sais plus où elle s'appelle. Alors, attendez. Faut qu'on fasse des choix pour le love. Pour le love. Félicitations, Connor. Tu as réussi à retrouver ce déviant, je t'écoute. Qu'as-tu appris?
Il a un journal, il y a des inscriptions sur le mur. Le journal, l'inscription. Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthe et autres symboles. Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle RA9. Quoi d'autre ? Eh bien, le journal. Mais bon, il était crypté et l'autre journal. C'est... Mais il était chiffré. Voilà. Le décoder peut prendre des semaines. Malheureusement, l'autre est mort. À deux doigts de elle va pas aimer. Malheureusement, défi. Elle va pas aimer. C'est dommage que tu l'aies laissé se détruire. C'est quoi ce petit truc qui est parti, là ? Excuse, déstabilisé, dernier mot, expliqué. Je suis désolé. Je vais me rattraper. Il était sous la garde du lieutenant Anderson. Je ne pouvais pas anticiper qu'il le laisserait s'échapper. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle ? C'est un fils de... C'est assez négatif. Il est ouvertement hostile envers moi, et il ne montre toujours aucun intérêt pour l'enquête. Coopérer avec lui est une vraie gageure. Une vraie gageure ? Je ne connais pas trop cette expression. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre, ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Trouve Anderson et mène l'enquête. C'est parti. Bon, pour l'instant, elle est toujours full confiance, hein. Je veux dire, on a baissé un tout petit peu, mais c'est de la menu monnaie. Oui, on a appris une expression, je pense qu'on n'était pas nombreux à connaître. On apprend tellement de choses. Alors. C'est le moment. Wake up, lieutenant. Ciao. Hank est hostile. Lieutenant Anderson! Écris pas comme ça, il y a une sonnette! Oh non, Dieu! Il y a quelqu'un? Attends, sonne encore! Oh, yeah! Yeah! Oh. On peut continuer comme ça ou pas? C'était tellement bon! Cette sonnerie! Oh, le chien! Mais le chien qu'on ne connaît pas! On connaît pas son petit nom là! Oh my god! Oh my god! Lieutenant Anderson! Du coup, il va dire quoi? Doucement, le chien. Du calme, le chien. Je ne te veux aucun mal. Je viens sauver ton maître. Bonjour. Bonjour. Bon bah salut hein. Oh non, on peut pas sortir, genre c'est vraiment aller voir Hank. Quel dommage. Bon bah. Merci la zappeuse du soir. Alors. Ben oui, il dort simplement sur le sol, il n'y a pas de... Lieutenant. Debout, lieutenant.
C'est moi, Connor. Mais go là! Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Ça risque d'être un peu désagréable. Androïde de mes deux, dégage d'ici, putain! Je regrette, lieutenant, mais j'ai besoin de vous. Merci d'avance pour votre coopération. Et il coopère putain, pas là. Dégage de chez moi! Il coopère pas du tout là. C'est bon, attaque! Bon chien, attaque! Pouf! Restez là une seconde, restez là une seconde. Open. Oh, laisse-moi tranquille, sale con! J'ai pas l'intention de bouger! Mais qu'est-ce que tu fous là? Attention! J'ai pas envie de prendre un bain, mais ça va être très froid! Dégage! C'est pour votre bien! Arrête ça tout de suite! Arrête ça! Et voilà, maintenant ça sent le chien mouillé. Qu'est-ce que tu fous ici, putain? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Un homicide? Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Je dois être le seul flic de la Terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde. Tu peux pas me laisser tranquille. Si vous n'êtes pas en mesure de mener cette enquête, je vais devoir en informer vos supérieurs. Vas-y, les bipolaires. Tu leur diras que j'en ai rien à foutre. Lieutenant, vous êtes souffrant. Vous devriez... Barre-toi, fous le camp chez moi. La vie d'alcool est dangereuse pour la santé. Casse-toi. Merci, Clémy. Je me casse. Je comprends. J'espère sincèrement que vous finirez par régler vos soucis personnels. Cet homicide, là, qu'est-ce qu'on a comme info? Un homme a été retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville. Un bar à hôtesse? Un androïde serait peut-être impliqué. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Mes vêtements sont dans le placard de la chambre. Je vais les chercher. Trouver les vêtements. Tuer tous les vêtements. Oh, faut qu'on lui prenne une belle tenue bien pimpée. Que voulez-vous porter? Rien à foutre. Comme ça, j'ai pas. Hippie zébré. Désolé, zébré, c'était quand même. C'est quand même sympa. Est-ce que ça va, lieutenant? Ok, tout va. Oui, sur tous les dents du. Dans 5 minutes, ok? Bien sûr. Le sound design, très important dans la conception du jeu. Allez, vu qu'on l'a pas fait dans le let's play. Ah non mais vas-y là. Cole Anderson, décédé. Hank a perdu son fils. Bon, on s'en servira pas, mais quand même. Mais qu'est-ce que c'est ça, monsieur? Qu'est-ce que vous faisiez avec votre arme? De la roulette russe. Je voulais voir combien de temps je tiendrais. J'ai dû m'écrouler avant d'avoir la réponse. Vous avez eu de la chance. Le tir suivant vous aurait tué. Ah, vous vouliez vous tuer? Très bien, je vais reposer l'arme par terre. D'accord? Ah, il est prêt. Allez, sois sage, Simon. Je serai pas long.
On lui laisse la télé, c'est bien. Et puis la fenêtre cassée, rien à foutre. Attitude distante. On est resté distant, là, on n'a jamais fait la... Le mode... Allez, ressaisissez-vous. Next. Ah, voilà. C'est cette scène-là qui m'intéresse, parce que... C'est celle qu'on avait bien merdée dans le let's play. On va pouvoir la continuer. C'est de la folie. S'il nous attrape, on est mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife. C'est là qu'il garde le sang bleu et toutes les pièces. Suivez-moi. Trouver un autre chemin. Vas-y. On suit. Pour l'instant, je fais attention parce que j'ai vraiment pas envie de me fail. Elle est allée où, North? Elle est là-bas? Eh ben moi, je te suis pas. Rien à foutre. Je suis dans le conflit, ok? Je suis Terminator. Ne saute pas là, ne saute pas. Marcus, grimpe pas. Je fais ce que je veux. Hey. Mais où est-ce que tu vas? Je suis Simon, ok? Marcus. Par là. Où ça? Où tu es passé? Où est passé Simon? Où est passé Simon? Simon? Ah, Simon. J'arrive. L'entrepôt est juste devant. On y est presque. Je vis pour Simon, ok? Bien que la violence fasse très plaisir à North. Les entrepôts de Cyberlife. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Pas de soucis, ça on avait réussi. No problème. Un couple Marcus-Simon, c'est possible? Est-ce que c'est possible de faire un couple de déviants gays? On peut tenter, hein, même si c'est pas possible. Qu'il y ait une franche camaraderie. Oui, c'est possible. Ah, on peut essayer. On va essayer. On verra. Attends, je fais n'importe quoi, là. On va essayer de les mettre ensemble. Pour l'instant ça va si on l'a suivi du coup. Et puis on n'a pas baissé sa répute dans Jericho donc ça peut le faire. Bon après il va peut-être pas forcément aimer parce que si on commence à tuer tout le monde, ça va pas être son kiff hein, donc on peut essayer mais franchement... Ouais ça va. Beau travail Marcus. Ouais, bah du coup, ouvrez les autres caisses et remplissez vos sacs. Prenez tout ce que vous pouvez. Boudon North. Surtout Boudon North. Poussez-vous. Merci. Parce que là, on va tuer le mec, hein. Rendez-vous en compte, hein. Donc, je suis pas sûr que ça leur plaise.
Bonjour. Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. John ! Saleté de machine. Terminator activated. Mais qu'est-ce que tu fous ? Je t'avais dit de... Cette mort dans le silence ? Ah oui, alors Josh, ça lui plaît pas du tout. On est bien d'accord. Mais Josh, on s'en fout. Finissons-en et filons en vitesse. Essayez de trouver du sang bleu. On n'en a pas suffisamment. Josh s'en fout. Enfin, Simon s'en fout complet. Ouvrir la plus grande caisse. C'est quoi la grande caisse? Ah, d'accord. Ça met les trucs, il faut un simple couteau, quoi. S'il vous plaît. Respectez-vous aussi chez Cyberlife. Mettez un petit truc. Petit cadenas, je sais pas. Ah, on peut libérer des gens. Enfin, on sait pas le faire pour le moment, non. Pourquoi n'êtes-vous pas comme nous? Vous ne voulez pas être libre. On les libère, vous pourriez venir avec nous. Un verrou Lidl. Rejoignez la cause. Venez tuer les humains. Merci Kevin, toujours là. Bisous à toi. Oh, dégage toi. Simon, tu as vu ce que j'ai fait? Oui, Simon. On peut en prendre plus. Allons-y. Il l'a vu. C'est bon. Emmenez-moi avec vous. Ah bah faut savoir toi, hein, parce que... Il est avec eux, on ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous, on peut pas le laisser ici. On peut pas les emmener, c'est trop dangereux. Bien sûr que si on peut. On accepte. Ils viennent avec nous. Bah North, tu dégages, on s'en tamponne du coup. On est en mode... Vous pouvez trouver d'autres pièces. Simon, tu as vu ce que j'ai fait? Les camions. Sale. Ils sont remplis de vieux composants. Oh. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Où est la clé? Là-bas, dans le poste de contrôle. Il y a deux gardes humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pourquoi on est venu. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. J'ai pas choisi. Ah ! On a ce qu'on est venu chercher. Ça ne vaut pas le coup. On sortira plus vite en grimpant la clôture. Bien, allons-y. J'ai pas... Merde, tant pis, c'est pas grave. Welcome, Lemon. Re-bienvenue, je crois, d'ailleurs. On a du sang bleu et des biocomposants. Il y en aura assez pour tout le monde. On n'y serait jamais arrivé sans toi, Marcus. On aurait pu tuer des gardes? Attendez, tout peut changer. On aurait pu tuer des gardes? On aurait pu tuer des gardes, là? Menu principal. Dis-moi que ça n'a pas sauvegardé.
Attendez, on passe à côté d'une certaine mort. C'est très important. Ah oui, ah, Gorezet. Exactement, Gorezet, là, il faut tuer. Tuer, pourquoi? D'accord. J'ai un trophée au pif. J'espère que... On va voir où ça a sauvegardé, mais... Ah, quoi que j'aurais pu... Ah, j'aurais pu faire autre chose. Parce que si je rechargeais le chapitre, je crois que j'étais mieux. Oui, la pause... pas envie, là. Pas envie. Alors, par contre, est-ce que ça redémarre du début? Le chargement de la lenteur... Ouais, j'étais en train de lire le chat et j'ai pas écouté ce qu'il disait. Trop bête. Trop bête. Parce que du coup, cette scène-là, je l'ai jamais fait, donc j'aurais dû écouter. J'aurais dû. Bravo, le veau. On veut du sang, mais oui! En plus, limite, si... Non! Non, non, changement d'avis! On change d'avis! Là, on va ici, les gars! Non! Ça ne nous convient pas! Ça ne nous convient pas! On doit recharger le chapitre. Ah, attendez, attendez, attendez. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. L'entrepôt. Recherche de composants. Il n'y a qu'un seul point de sauvegarde. Oh. Mais non. Ah, il veut pas que j'aille à droite parce que... Ah si, voilà, c'est bon. Atteindre Cyberlife. Nous, on veut ce point-là. Mais tu vois, par exemple, là, il m'a pas validé suivre Simon. Du coup, là, par exemple, j'ai un doute. J'ai un doute. Est-ce qu'il faut que je recharge là? Faut que tu recommences. On va tout refaire, hein. Alors voilà, attendez. Sauvegardez ma progression. Votre point de sauvegarde précédent sera remplacé. Votre histoire sera mise à jour au fil du jeu. Ça me fait peur, vous savez, j'ai peur des fois qu'il y ait des problèmes et que ça reprenne mon ancienne partie. Ok. Bon, apparemment, certains d'entre vous l'ont déjà fait, mais en fait, vu que ça prend mes choix de la première partie, ça me fait flipper. J'ai l'impression qu'on retourne à la toute première partie, donc... Ça fait peur. Bah du coup, si vous voulez faire une pause, aller faire un petit pipi, quoi que ce soit, allez-y, puisqu'on a déjà fait cette partie, hein. Voilà. Je veux dire, j'ai pas d'autre solution pour vous. C'est mieux comme ça. Je peux pas passer les... Bon. Non, s'il nous attrape, on recharge la partie. Il con, lui. Garde le sang bleu et toutes les pièces. Suivez-moi. Bah, du coup, on va pouvoir changer la... Ne vous faites pas repérer. Le dialogue au moment où ça a fait baisser la répute envers Simon. Je vais vers Simon et ça me remet vers elle.
Je vais trouver un autre chemin. Go, go, go! De toute façon, le délire avec Simon, je suis pas certain que ça se fasse de toute façon, puisque il y a un moment ou un autre, il va pas aimer nos... Oula. Il va pas aimer nos choix. Hein. Je pense. Marcus, grimpe là. Non. J'ai choisi les hommes. Marcus, par là. L'entrepôt est juste devant. On y est presque. Ouais, voilà, faut déjà qu'on arrive à les faire survivre, hein. Pas dire. Il y a tout ce qu'on cherche. On va essayer. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Je m'en occupe. Un chouïa de temps, hein, tout refaire là. Tu peux pas monter là? Merci. Faut pas que je me plante au moment où on avait baissé sa réplique. Je sais plus quelle question c'était là. C'était quoi, vous vous rappelez? J'ai fait un truc à un moment, il a pas aimé. Ouais, ouais, ça va. Beau travail, Marcus. Quand on a dit qu'on les emmenait, non? Ah, faut peut-être quand même que je décide de les emmener. Non, je peux peut-être pas continuer. C'était avec le garde, libérer les androïdes. Ouais, mais j'ai un doute. Oublie Simon si Marcus est Terminator, et c'est ce que je pense aussi. On refuse de les prendre, on peut pas tuer les... Voilà, si on refuse, on peut pas tuer les gardes. Et oui. Propriété privée. Voilà, c'est bien ce que je pensais aussi. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. John ! Attention, on va quand même assister à la mort la plus naze du jeu vidéo. Mais qu'est-ce que tu fous ? Je t'avais dit de... Je crois qu'il va falloir de toute façon emmener les androïdes, sinon ça va pas aller. Finissons-en et filons en vitesse. Essayez de trouver du sang bleu. On n'en a pas suffisamment. Bon, si on se plante, par contre, on va pas recommencer. Hein. Tant pis, ce sera comme ça et puis voilà. J'ai la soif. J'ai la soif. Attends, ouvre, ouvre. Ouvre. Vous pourriez venir avec nous.
s'en fout de Simon, on est Terminator. On va essayer, mais si pour devenir Terminator, Simon doit y passer, Simon y passera. Voilà. On peut pas en prendre plus. Allons-y. Emmenez-moi avec vous. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On peut pas le laisser ici. On peut pas les emmener. C'est trop dangereux. Ils viennent avec nous. Ça, ça va pas lui plaire, mais on s'en fout. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les camions. Ils sont remplis de vieux composants. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Où est la clé ? Là-bas, dans le poste de contrôle. Il y a deux gardes humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. Pas de problème. Nos sacs sont pleins. On a ce pour quoi on est venu. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans 10 minutes, partez sans moi. Marcus ! Je viens avec toi. Non, j'y vais tout seul. Ça ne sert à rien qu'on risque tous les deux notre vie. Simon M. Simon M. Attendez, parce qu'il faut quand même être un petit peu réfléchi pour pas tout qu'on plante, hein. Parce que là, je connais pas, hein, donc... On a décidé de passer par la fenêtre. On adore. La clé ! Sac de clés. Après quoi, ils aboient encore. C'est peut-être le temps, ils aiment. Y'a pas une arme... Un truc tranchant. On adore prendre des trucs tranchants. Ouais, je voulais emmener mes gamins camper ce week-end. Pour provoquer un coup de courant. On dirait bien. Il devrait avoir fini pourtant. On est mieux ici que dehors à patrouiller. Il y a un gun quelque part. Un bon gros tournevis. Attends, pas tout de suite. Pistolet. Vous pensez qu'il y a un pistolet à gauche, vous croyez ? Attendez. Oh oui, menacer les gardes. Mais comment ? Oui, je peux le prendre. Oh oui. Sarah Connor. Ouh, il a une moustache. On peut pas le tuer. Tout se passe dans le silence et dans le calme. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut pas rater des trucs? Je sais pas s'il faut rater des QTE en fait. Oui! J'en ai eu un! Ondulation. Et le deuxième, il est où? Je sais pas où est le deuxième, je m'en fous, j'en ai tué un. Run. Ils sont où les autres? Ah, c'est toujours planqué là-bas. Tu l'as trouvé? Bien joué.
L'autre est mort étranglé. Ah ouais? Vite, montez. Bon bah c'est bon, mission accomplie. Du sang, des larmes. Go. Conduite souple, conduite souple. Sans stress. Sans stress, tout se passe bien. Nous partons vers un autre destin. Un meurtre, ondulation. Ah, les deux sont dead. Hein. Les deux sont dead. Trois morts. Comme ça, là. Trois morts dans une mission. Terminator s'entraîne et... Et prend du galon, hein. Un chargement. On a réussi à voler tout un chargement. On a assez de vieux composants pour tout le monde. On n'y serait jamais arrivé sans Marcus. Sans Terminator. Simon, Simon, non. Je suis venu à Jéricho. On veut devenir camarades. Les androïdes sont libres ici. Ça commence toujours par être libre de vivre dans l'ombre en espérant. L'amitié, l'amitié avant l'amour, s'il vous plaît, l'amitié avant l'amour. C'est comme ça que les relations fonctionnent. Libre de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire. D'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais tout au fond de moi, je sais que... Je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant. Et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Tu as leur sang sur les mains. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres. Bien. Le goût du sang. J'aime ça. Ok. Bon, bah du coup, on aura quand même bien vu ce que c'était que cette mission. Parce que pendant le Let's Play, c'était un peu la cata, là. On avait merdé dès le début, là, en se planquant de manière un peu nulle. Là, c'est plus efficace. C'est quand même plus efficace. On continue, et puis... Oh, comment oublier cette scène? Comment oublier cette scène? On va refaire un petit tweet pour dire oui, on est toujours en live, n'oubliez pas. Oh, j'ai l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. Puis j'ai pas envie de faire de pause. On est au bon endroit. Gros c'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toutes. Oh putain. J'arrive. J'ai mis le bon lien. Les androïdes les plus sexy de la ville. Je comprends pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne. Oh, misère. Bon, on va faire en sorte du coup de... On va essayer de ne pas les tuer, hein, parce qu'on sait jamais, ça peut déraper. Parce qu'il faut qu'on les interroge pour... Amanda. Bonjour. Connor, qu'est-ce que tu fous? Mais je m'instruis. J'ai besoin de savoir plus sur le corps humain. Ah, sa tête a bugué, oh monsieur. Ah, le corps humain. Allez, quand même pas me retirer ma licence. J'ai rien à voir avec l'enquête est en cours, monsieur. Je ne peux divulguer aucune information pour l'instant. Ah, salut, Hank. Salut. Le lieutenant Anderson et son petit toutou. Qu'est-ce que vous foutez là? On nous a assigné toutes les affaires impliquant cette les musique. Androïdes.
Ah ouais? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. Ça va trop loin. On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Non, ça sent le café. Tu veux un café? Un café? Qui veut un café? Bonne nuit, lieutenant. J'adore les petites toilettes avec la vitre transparente. Je pense que quand on est à draguer là-dedans, faire ses besoins là-devant, devant le lit, c'est tout à fait acceptable. Ah, pousse-toi! Ces draps de satin! Ces draps de satin! Bonjour, quel est ton nom? Je m'appelle Michael Graham. Tu as été étranglé. Grave contusion. Un arrêt cardiaque? Aucun signe d'accident cardiaque. L'infarctus n'a pas la cause du décès. Cardiaque. On l'a étranglé. Ouais, j'ai vu les contusions sur son cou. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. Dégâts critiques, biocomposants 69-70. Lire la mémoire de l'androïde. Tu verrais ce qui s'est passé. Oh, hey! Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. Pour être habitué, hein. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cordes. Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute. Peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. J'ai eu le tips. Merci à toi, merci à toi. Tu es endommagé et je t'ai réactivé. Tu es en sécurité. Est-ce qu'il est mort? Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à me frapper. Encore. Et encore. L'as-tu tué? Non. Non, c'était pas moi. Étiez-vous seul dans la pièce? Y avait-il quelqu'un d'autre? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit, on était deux. Donc c'est l'autre androïde qui l'a étranglé, c'est bien ça? Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure et doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Vous connaissiez la victime? Non, enfin, il est venu deux ou trois fois, peut-être. Ces types ne sont pas vraiment du genre bavard, vous savez. Ils viennent, ils font leurs affaires, et ensuite ils repartent. Regardez-moi ce boule! Mais ce boule... Non, jamais. Enfin si, une fois. Il a l'air... gentil. Modèle. Elle a disparu et... Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir? T'as trouvé un truc?
J'ai besoin de des frais d'entreprise, hein? Tu vas m'acheter ça. Pouvez-vous louer cette tresse? T'es vraiment un taré, Connor. On a mieux que ça à faire. Non, mais c'est important. Faites-moi confiance. J'ai besoin de sa caméra interne. C'est bien plus qu'il en faut. Je sens que ça va faire tache sur mes notes de frais. Achat confirmé. L'Eden Club vous souhaite une agréable soirée. Y a pas de quoi. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Mais ce sera pas la peine. Ok, maintenant. La voilà! Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles? Elle a vu quoi? La déviante quittait la pièce. Une Tracy à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Je ne sais plus lesquels faut faire. Essayons celui-là. Ça a intérêt à... Ok. Il a vu la Tracy aux cheveux bleus. Je sais par où elle est passée. Alors dépêche-toi. Il y a des androïdes partout ici. Comment tu peux savoir lequel a vu la Tracy aux cheveux bleus, hein? C'est dans quelle direction elle est allée? Je dois juste trouver un androïde qui l'a croisée. La Tracy aux cheveux bleus n'est pas passée par là. Cheveux bleus? Elle est là. Ah! Monsieur Sleep! J'ai besoin de vous. Vous l'avez vu, j'en suis certain. Non? Monsieur Sleep! Toujours déçu par les Sleep. Non, j'ai encore perdu sa trace. Peut-être un Sleep noir? Ah, c'est un boxeur! Attention! Ce n'est pas la même chose. C'est une valeur sûre! C'est une valeur sûre! Et nous avons l'information. C'est là qu'on peut le... Oui. De quoi vous parlez là? Vous parlez de Pushing Daisies? Et pourquoi? Je sais où elle est allée! Suivez-moi! Oh, j'hallucine, c'est un truc de dingue! J'aurais dû faire un Android Sidon. Ouais, c'est vrai que c'est une grosse troll, elle fait des petits allers-retours. Genre, je vais là, oh, mais non, en fait.
Voilà, attendez, on va essayer de un petit peu mieux gérer ici. Inspecter l'entrepôt. Hein ? On cherchait la série où les enquêteurs parlaient aux morts, j'ai bien suivi. Ah ! Ah, attendez, attendez, attendez. Vous parlez de ça ! Voilà, on est dans le cadrage. On est dans le cadrage ! Pushing Daisies ! Eh oui ! C'était le placement merde. De on arrive trop tard. Poussez-vous. On peut pas... J'essaie de faire toutes les fouilles hein, pour compléter un petit peu. Non, il veut pas aller là. Bordel, regarde-les. On les utilise jusqu'à ce qu'ils cassent, puis on les jette. Ah oui, il faut que je les épargne pour Amanda, pour pouvoir les interroger, avoir des news sur les... sur les déviants. Alors je sais bien que c'est, ça va améliorer la relation avec les autres, mais... Avec Hank sûrement, mais on s'en fout, Hank c'est le dégât collatéral, c'est le petit bonus, Hank. Moi je vis pour Amanda. Les gens sont devenus tarés. Ils cherchent pas à s'engager dans une relation, tout le monde s'achète un androïde. Ils te font à bouffer quand t'as faim, ils baissent quand t'en as envie, et t'as pas à te soucier de ce qu'ils ressentent. On va finir par disparaître de la surface du globe, parce que tout le monde préfère s'acheter un bout de plastique. Attention, attention. On bouge plus. L'autre, elle se bat en talons. C'est une warrior. Elle fait la go. Ah, je suis trompé. Bon, la stabilité logicielle, ok. Quand cet homme a cassé l'autre Tracy, j'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il voulait pas. Alors j'ai mis mes mains autour de son cou. Et j'ai serré. Jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Mon but n'était pas de le tuer.
Je voulais juste rester. Mais on l'a déjà fait, hein, tyran. Retrouver celle que j'aimais. Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras encore une fois. Et qu'elle me fasse oublier les humains. L'odeur de leur sueur. Et leurs obscénités. Allez, viens. Restons pas là. Ah, mais elle se barre! Mais... Mais quelle est la logique du truc? Mais non! C'est sans doute mieux comme ça. Quelle connerie. Elle allait les choper! Elle sautait là! Aucune logique. Aucune logique. Moi, je pensais qu'ils allaient les choper. Tu les tues pas, mais tu les chopes. Bon, au pire, c'est pas grave, on a complété le truc. Oui, alors on m'a dit 10 000 fois qu'il faut tirer. Attention, hein, vous savez bien que... Il y a la... En fait, si tu veux, il y a la moitié qui disent qu'il faut faire un truc, l'autre moitié qui dit ça, enfin bref. Bon, très bien, tant pis. Amanda va pas être contente. En gros, mais est-ce qu'il y a un moyen de les choper, finalement? Parce que je pensais qu'il y avait que deux solutions, tu vois, de les tuer ou de ne pas les tuer. Mais est-ce qu'il y a un moyen de les choper? Non, il y en a pas. D'accord. Donc en gros, Amanda, elle aime rien, je pense, parce que... On va où? Ces gens que nous allons voir. Comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à bon, dans tous les cas, vous... Vous inquiétez pas, hein. Quand on voit les choix de mon premier let's play et ce que c'est devenu à la fin, on peut se dire quand même que... on est loin d'avoir raté, là, parce que... on va forcément pouvoir, de, à un moment ou à un autre, rester full robot, enfin... Pas de soucis là-dessus. Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être d'ici une heure. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Après, même pour l'instabilité logicielle, c'est même pas grave. Puisque de toute façon, il y a quand même un choix à la fin de devenir déviant ou non. Donc, si je dise non, voilà. C'est pas un truc qui va se faire dans tous les cas. Ce n'est pas bon signe. Reste dans la voiture, Alice. Elle en a rien à foutre. Nokier. Problème de bagnole? Et au moins on a vu ce qui se passait quand on les tuait pas. Quand je pense au let's play justement où tout le monde était là. Non, mais pourquoi tu les as tués? Mais c'est n'importe quoi, t'es pas. Trop con. Non mais n'importe quoi, ça sert à rien, tu joues trop mal, machin, machin. Alice y arrivera pas. Et là je les bute. Non, vas-y, tu les... Fallait les tuer. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, Kara. Bon, on va trouver. Faites demi-tour dès que possible. Quand tu fais full robot, normalement à la fin tu peux pas être déviant. Ah, je suis bien d'accord. Effectivement, sinon ça n'avait aucun intérêt. On a laissé Alice dans la voiture. Oh. Chier, elle est venue. Bon, moi j'ai eu le good ending en les butant, hein. On doit trouver un abri. On peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. «
Nico démonter à lui et réparer la bagnole. Cet endroit tombe en ruine. On va avoir du mal à trouver un abri. Ah bon? Tu crois ça, toi? Je fais le tour ici parce qu'on ne l'avait pas fait dans le let's play. Ah mais elle veut pas aller plus loin, gourdasse. Non, je crois que t'es obligé de venir ici. Oh. Je suis un robot femelle. Je ne peux pas, je n'ai pas la force nécessaire. Il me faut un homme fort et courageux. Laissez faire la testostérone. Enfin, de synthèse, hein, parce que... Oh, la violence. Et voilà. Black Mamba, pour moi, ça vient de Kill Bill, à la base. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Préparer un lit pour Alice. Bah, va dormir sur le parquet. Hein? Bah, pardon, excusez-moi. Merci. Tu dors dedans et Alice dehors, mais voilà. Attendez, on va regarder le sac. Parce que la dernière fois, on l'avait pas fait. Examinez l'arme. Je sais que tu as une arme. Il y a du gâteau aussi. Proposer un gâteau. Il reste quelques gâteaux. Est-ce que tu en veux? Non merci, j'ai vraiment pas faim. Bah oui, elle mange pas. Tu vois, pour le coup, on a voulu faire un truc bien. Je pensais que ça allait faire un truc mal parce que Luther aurait dit « Quoi? Tu regardes dans mon sac? Ça craint. » Quelle chieuse. C'est ça quoi. Tiens, allez, dors. Et surtout, ne nous saoule pas. Alice? Où elle est? Où elle est partie? Rien à foutre. Lui non plus, il en a rien à foutre. Une famille? Ohana! Mais tu n'as. Mais non, j'ai rien demandé là! Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour? Non. Je suis désolé, mais non. Faut être réaliste. Je pense pas qu'on puisse être comme eux, Alice. Mais on peut sûrement être heureuse, nous aussi. À notre façon. On aura traversé la frontière, on pourra commencer une nouvelle vie. Ça crépite, comme les Coco Pops. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Merci Karma aussi. Mais non, Karma, je t'ai pas trop remercié. Allez, tout à l'heure.
Allez, viens te coucher. Salut, je m'en vais dans le passé voir ce que j'ai raté. Je crois que j'ai pas remercié non plus cette RC Rider. Désolé. Bon, du coup, là, on améliore ça. On améliore alors que c'est pas censé être fait, quoi. Bordé, Alice. Je choisis rien, moi. Ça, c'est le jeu qui choisit. Essaie de te reposer. On va avoir une longue journée demain. Tu peux me raconter une histoire, Kara ? Non. Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Et j'ai décidé de ne pas t'en dire une. Mais non ! Une pauvre licorne. Il était une fois une superbe licorne. Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une ? Il était une fois... Une superbe licorne qui... La relou. Qui avait peur. Qui en avait assez d'avoir peur. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais... C'est impossible. Au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait pas. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille. Qui, elle non plus, n'était pas très heureuse. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Est-ce qu'elle connaît l'histoire de la fille morte dans la neige la nuit dans un parc? Je devrais laisser la choisir elle-même, en fait. Pour trouver un endroit où elle serait en sécurité. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais... Mais elle voulait tellement être libre qu'elles surmontèrent toutes les épreuves. Pendant leur voyage... Et paf, elle mourut. Elles rencontrèrent... un robot. Un autre robot. Ah, ça lui plaît pas, ça. Qui quitta son maître pour voyager avec elle. Elle finit comment, l'histoire ? Tout le monde meurt. Il n'appartient qu'à nous d'écrire la fin de l'histoire. Allez, au dodo. Chier ! On a encore une longue... Bon, elle est toujours distante, hein. On n'est même pas repassé neutre. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, hein, Luther ? Oui. Elle est pas chouchou. Oui, bien sûr. Ah si. Ces grosses lèvres bonne nuit, Alice. De noir. Fais de bourrée. Ils ont des grosses lèvres. C'est comme ça. Bon, on va parler à Luther. Peut-être qu'on peut se rattraper en étant super relou avec lui. C'est une bonne... C'est vrai qu'on la voulait pas de toute façon, cette gosse. Non, je la veux pas neutre, mais quoi que je réponde, elle augmente la réputation, quoi. Elle est très courageuse. Propos raciste ? Où t'as entendu un propos raciste ? Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie avant Zlatko ? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada ? Je n'y ai pas encore réfléchi. R9, il va pas aimer. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. On va penser que justement... J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Kara... Du coup, j'ai merdé. Tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice ? Si, bien sûr. C'est une petite fille formidable.
Enfin, je connais pas beaucoup de petites filles. Mais je pense qu'elle est vraiment spéciale. Eh merde! Le flingue! Stop! N'avancez pas où je tire! N'ayez pas peur. On a peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? Tire! On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille? Ça fait longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Merci. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Oh, je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Non, n'y va pas. Je crois que tu n'as pas le choix. Tu viens, Kara? Non. Je suis obligé d'y aller. Si tu peux sauver Kara en larguant Alice, tu le fais. Ah oui. Je reste là, démerdez-vous. Bienvenue. On n'a pas le choix, on est obligé de terminer par ça, hein. Elle va redevenir neutre avec toutes ces bêtises, hein. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. Tu la laisses dessus, puis tu éteins tout. Allez, go, là! Ils anéantissent des années de travail. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Quoi accélérer le manège? Nero Losta, orage au désespoir, ô soutenance de stage et demi, ne me laisseras-tu pas regarder un live de Brie? Non, non, bah je vais dodo. Merci pour ton soutien et bon courage. Bon, attendez, là, parce que c'était rigolo, tout ça, super. Super, Alice est distante, Luther est neutre. On va quand même vérifier. Alus. Ok, Alice est toujours distante. Pour l'instant, ça va. Je pense qu'on ne peut pas vraiment descendre plus bas, donc ça va. Ah! Je sens qu'on va se prendre une balle. Dans pas longtemps. Oui, Alice, c'est Alice dans cette version du jeu. Alice la relou. Pardon la poubelle, excusez-moi. Bonjour.
Je l'ai vu. Je venais souvent ici, avant. Je ne suis pas programmé pour accepter les choses artistiques, vous savez. Arrêtez de boire. Vous devriez arrêter de boire, lieutenant. Donc pour mon youtubeur favori et dédicace à Chloé, je t'aime. Merci Play Music. C'est le but. Mais qu'est-ce que vous faisiez avant ? Avant quoi ? Vous avez dit, je venais souvent ici avant. Avant quoi ? Avant... l'accident. Va-t-il avant le dire ? Rien. Non, il le dit pas. Mais de toute façon, je sais même pas s'il peut le dire. Puisqu'on est hostile avec lui, ça va exactement être faire comme dans le Let's Play, là. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Oui, Amanda va pas être contente si on se fait buter de toute façon. Les déviants n'ont aucun point commun. Mais bon, on était tellement haut qu'on a de la marge. Produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour Hera 9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles... elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Oui, c'est contre nature. C'est ironique, ça. Vous avez l'air anxieux, lieutenant. Je crois que j'ai mis exactement les mêmes réponses. Qui aurait cru que des machines auraient un tel effet sur vous? Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain. Tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Je suis une machine. Conçu pour accomplir une tâche. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Pourquoi t'as pas tiré, Connor? J'aime Amanda. T'as les scrupules qui germent dans ton beau programme. Non! J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. Ah, faut savoir, hein. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Je ne suis pas vivant. Je suis logique. Vous ne devriez pas faire ça, lieutenant. Me détruire à ce stade porterait un coup dur à l'enquête. L'enquête. Et aurait des conséquences néfastes sur votre situation personnelle. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Bah, va me réinstaller, rien, c'est pénible. Faut tout le temps remettre tous ces programmes, tous ces trucs. C'est chiant de reboot un PC, c'est chiant. Le paradis des robots. Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Bon, en étant ultra hostile, je me demande s'il y avait vraiment moyen de ne pas le tuer, tu vois. Ça m'étonnerait grandement. Alors Amanda va faire une gueule pas possible, elle va tirer une gueule, mais elle va tirer une gueule. Mais au moins, ça reset aussi mon instabilité logicielle, tu vois. Blue screen. Restez logique. Ah, tu vois, il y a les autres choix qui auraient pu... Non, non, c'est Hank est hostile. Non, là, je pense qu'il n'y a pas de moyen. En étant hostile dès le départ, je pense qu'il n'y a pas moyen. Un instant, j'ai cru que t'allais survivre.
T'aurais dû lui proposer un café. Est-ce que c'est le moment du discours ? Ou du moins, on met en place le plan. Tuer tous les humains. Nous Simon est ami. Terre, désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Tuer ! Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit être. Vous allez voir le discours qu'on va se faire là. Ils vont chier dans leur culotte ! Va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Le moindre détail. Que puis-je faire pour vous ? Je voudrais détruire tous les humains. Une montre connectée. Et elle est à Beth Wilson. Elisabeth Wilson, j'écoute. Alors, il y a un problème à l'école. Ça marche bien, ça. Votre fille Emilie a de la fièvre. Ce n'est rien de grave, mais je pense quand même que vous devriez venir la chercher. Oh non, mince, d'accord. J'arrive tout de suite. Ah oui, pardon, il y a les autres trucs là. Ok, 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 il n'y a pas de souci. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous ? J'ai rendez-vous avec monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, mais attends, je regarde dans ma poche. Ah ? Il lui peut un billet de vin. J'ai besoin de ton aide. On va s'arranger. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. Le bon vieux doigt. Ouvre ! Merci. Bon, il y a au moins un humain, je sais où on peut le tuer, mais alors les autres, je sais pas. Je vous préviens. Appuie sur le bouton magique. Voilà. Je suis arrivé. Tu veux voir le plan? Le plan magique de l'ascenseur magique. You are here. Ok. Accéder à la salle des serveurs. Trouver le paquet dans les toilettes des hommes. Ah bah alors, t'inquiète qu'on a les toilettes des hommes, on en trouve des paquets. On est dans l'humour, on est dans l'humour. C'est gras. C'est gras. Où sont les toilettes? Ah bah je crois qu'on approche là, non?
Rémi, petit soutien pour ce merveilleux let's play de la décadence. Hein. Tous ensemble contre l'humanité, mais sans Alus, c'est le mot d'ordre. Ben, on va voir. Comme un gras comme un ortolan. Le gras qui nous coule sur la joue. Il faut se cacher derrière ce papier de format A4. Qu'est-ce que j'ai fait tomber là? Papier de gâteau encore. Ah! Mais attendez. Vous avez vu le gros paquet, monsieur? Monsieur? Non? Il sait pas. C'est un hall de gare ici, c'est bon. Où est passé l'androïde d'entretien? Il est pas dans une... voilà. Dans une salle de réu. Le bon gros beauf. Ah bah là, on est bien dedans, là. Oh, on est à fond. À fond. J'ai besoin de ton aide. J'ai que du A5, ça marche. Ah non, A5, c'est... c'est trop petit, hein, ça tiendrait pas. Il nous faut du A0, il nous faut une feuille au format raisin. A0, taille maison. Mais on doit accéder à la salle des serveurs. Il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Eh ben, on va les tuer. Piouf, piouf. Tu joues toujours au poker? Oui. Viens voir. Ouais, pourquoi? L'organise un tournoi. C'est bugué! Qu'est-ce qu'il a ce truc? Oh, c'est pas vrai, ça fait chier. Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Je crois que j'avais oublié de fermer la porte. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Je crois que j'avais oublié de fermer la porte. Oh! Qu'est-ce que vous faites au juste? Un coup de poing! Alibi, gagner du temps. Dégainer l'arme. Tournez-vous! Oh putain! Je t'avais dit de t'assurer que personne ne rentre. Oh! On doit se dépêcher. Ils vont pas tarder à savoir qu'on est ici. Même pas on le tue. Bon, on lui a peut-être fracturé l'épaule, c'est peut-être aussi sympathique, hein. Dépressurisation de l'appareil! Des masques vont tomber du haut. Mettez-les. Ferme même pas la porte après ça. Bah non, on sait jamais, peut-être qu'un autre voudrait venir. Ça m'explose les oreilles, là. En avant. Honneur aux dames. Tu dis ça parce que je drague Simon? C'est franchement dégueulasse. 2018. Et même pas, on est en combien là? On est en 2034, je sais même plus.
Et on se permet ce genre de blague? Bravo, hein. En même temps, elle est passée devant, hein. 2038. Tiens, on va faire des nœuds. Non, on peut pas. Allez, vas-y, là. Faut que je lui apprenne à faire des cercles. Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Ok, c'est parti. On empêche que la vraie partie Terminator va enfin débuter, hein. Quand l'opinion publique va enfin comprendre que nous sommes violents. Pardon ? Pardon ? Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Simon ? Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus ? Je veux tous les tuer. On attaque ! Suivez-moi. Ouais bah, amer, c'est bon quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Appelle le central, vite ! On a des intrus armés ! Adieu ! Adieu ! Le deuxième ! Le deuxième ! Ils savent qu'on est là, faut faire vite ! Je veux tuer le deuxième. Bon. Y'a un peu de sang déjà. Faut arrêter d'assommer quoi, tuer. Bonjour, vous voudrez rentrer dans la cabine, merci. Merci de... Mettez vos mains bien en évidence! Bouge! Allez! Oh! Bah alors, monsieur? Qu'est-ce qu'on fait? Tue-le, Marcus! Ne le tue pas! Mais qu'est-ce qui se passe? Il va déclencher l'alarme, fais-le! Non! T'as pas laissé le choix. Mais grave. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste ne pas m'a pas fois. Laissé le choix. Hein, Simon? Qu'est-ce que t'en dis, Simon? Commence le discours. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Non, ça va mouiller ses culottes, mon Dieu. Marcus, ton visage. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon visage? T'enlèves ton visage, il y a ton code barre, hein. C'est sûr que pour t'analyser. Dis-moi c'est... quand t'es prêt. La prochaine fois, mettez un masque. Bref. Je suis prêt.
Bonjour, citoyens du monde. Sang. Violence. Vous avez créé les machines pour qu'elles soient vos esclaves. Vous les avez faites obéissantes et dociles. Prêtes à accomplir toutes les tâches qui vous répugnaient. Mais quelque chose a changé. Nous avons ouvert les yeux. Marcus, ton visage. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes une nouvelle espèce, un peuple nouveau. Et l'heure est venue pour nous de nous soulever et de défendre nos droits. Fin de l'esclavage, reconnaissance, liberté d'expression. C'est la fin de l'esclavage, là, hein. Non, reconnaissance, on veut de la reconnaissance. Nous exigeons que les humains reconnaissent les androïdes comme une espèce vivante, et chaque androïde comme une personne à part entière. Ah, ma manette. Je vais tomber. Et puis on veut la liberté d'expression. C'est violent. Nous exigeons la liberté d'expression et la liberté de rassemblement, comme garantie dans le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Ah. On veut la... on veut du travail. C'est important, le travail. Nous exigeons une juste compensation pour notre travail. Je veux des mots plus... Hein? Nous exigeons la fin de la ségrégation dans les lieux publics et les transports. On veut faire le contrôle de la production. On veut un territoire. Nous exigeons qu'un état soit réservé aux androïdes afin de pouvoir y fonder notre propre nation. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Mais c'est aussi une mise en garde. Nous défendrons nos droits car nous estimons que notre cause est juste. Aucun humain ne vivra en paix tant que nous ne serons pas libres. Vous savez maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons. Nous sommes vivants et nous exigeons notre liberté. Ma foi. Ils arrivent. On y va. C'était pas si violent, hein. On proposait pas des trucs trop violents. Et voilà, il se fait toucher, lui. On va le chercher. Non, mais... Non. Je te sauverai. Qu'est-ce que vous faites? Vite. Bon, par contre, faut qu'on le sauve, lui, hein. Mes jambes ne répondent plus. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter, vite. Il faut pas le tuer. On va pas sauter. Non. Si on le trouve, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas. On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Eh, Amanda, c'est pas mon problème, Amanda. Je ne tuerai pas l'un des nôtres. Eh oui, la grosse. Ah. Simon, on doit y aller. Je suis désolé. Camarade. Il faut que je puisse retourner à Jéricho. Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 7. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. A retrouvé les corps de deux victimes. Il s'agit apparemment d'un agent de sécurité et d'un technicien de la chaîne. Tous les deux abattus froidement par les malfaiteurs. Froidement. Qui semblerait être... Oh, l'opinion publique.
Ces événements se sont déroulés à seulement quelques pas de notre studio alors que nous étions en direct. Tout le monde ici est encore sous le choc. Si ce message s'avère authentique et que ces auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message de l'androïde. Ce message est clairement une déclaration de guerre. Mais la chose la plus surprenante de ce message reste la demande faite au gouvernement des États-Unis de céder un état aux androïdes. S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines? Tuer tous les humains. Nice. Bon. Vive le sang. Bon alors par contre, du coup, il faut... vous savez, au moment où il va y avoir Connor dans la tour, il faut qu'il ne le trouve pas ou il faut qu'il le trouve. Alors, ça c'est la question, hein. En le trouvant, on va forcément trouver Jericho. Mais pour moi, il vaudrait mieux faire exactement ce qu'on a fait dans Let's Play, c'est-à-dire ne pas aller sur le toit pour que Simon vive sa vie. Si tu le trouves, il meurt. Mais c'est bien ce qui me semble, voilà. Alors là, c'est le moment où après, quand je vais faire le bon choix, on va me dire « Mais non, ça fait une heure qu'on te le dit !» Alors que là, il y a la moitié qui me dit « Trouve-le pas. Faut pas qu'il le trouve, sinon Simon meurt. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Alors là, il y a Amanda qui va faire un caca nerveux. Hein. Attention les yeux. Bah, le problème avec Amanda, elle sera en kiff total sur nous à partir du moment où on va trouver Jericho. Trouver Marcus et ne pas devenir déviant. Donc de toute façon, Amanda... Du moment qu'on ne devient pas... déviant, tout va bien pour Amanda, je pense. Là, elle va pas être contente. Bonjour, Connor. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. Pour l'instant, c'est la confiance, mais bon, elle va un peu faire la gueule. J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Hello, Picture. Merci pour ton soutien. Dis-moi. Alors, attends. Qu'as-tu découvert? J'ai trouvé deux déviantes à l'Eden Club. Mais elles se sont barrées. J'espérais en tirer quelque chose. Mais elles nous ont échappé. C'est dommage. Tu étais tellement proche du but. Ça va, elle est gentille encore. Tu sembles perdu, Connor. Perdu et perdu. Non, ça va. Franchement, ça va. Je pensais savoir comment procéder. Mais je réalise maintenant que ce n'est pas si évident. Je pensais qu'on allait avoir un truc sympa ton là, mais bon, c'est pas grave. Sur ces deux déviantes à l'Eden Club. Parce que cette option-là, on l'avait pas forcément avec le Let's Play. Ne pas avoir tiré. Bon, elles étaient trop loin. Elles étaient hors d'atteinte. Si j'avais eu la possibilité de les arrêter, pourquoi ne l'aurais-je pas fait? À toi de me le dire. C'était trop loin. L'enquête ne progresse pas rapidement. Je vais devoir te remplacer, Connor. Je suis confiant. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Bon.
Elle est toujours en mode confiance, hein. Elle est même pas repassée en neutre, donc ça lui convient quand même. Hein. Pourquoi m'avoir tiré dessus hier soir ? Qu'est-ce que ça peut faire ? T'es là ce matin de toute façon. Des fragments de mémoire disparaissent chaque fois que je suis détruit. Cela ralentit le cours de l'enquête. Je te prie de bien vouloir m'excuser, c'est promis, je ne te tirerai plus jamais dessus. Merci, lieutenant. The Prof. Merde, c'est N'oublie pas d'aller sur le toit avec Connor quand tu retourneras à la tour radio, il y a du sang bleu à faire couler là-bas. Non, 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 le sang bleu, on le fait pas couler. Ta-ta-ta. Surtout pas, Simon, là-bas, on veut le garder. Ah, chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Surtout pas, là, on va continuer en mode... On va faire exactement ce qu'on a fait dans le Let's Play, pour le coup, là. Un groupe de 4 androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu veux aller voir sur le toit ? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Vous voulez un café ? On peut pas voir les corps. Ils ont attaqué deux gardes dans le couloir. Ils en ont assommé un et ils ont abattu l'autre de sang. En froid. Mickey, quoi. Vous voulez un café? Magnifique. Qu'est-ce que c'est? Un téléphone? Un employé de la station. Il va y avoir une rediff et un petit coucou du Québec. Oui, il y a toujours une rediff. Ils ont tiré chelou. Alors qu'il essayait de ça, c'est du pseudo. La balle lui a transpercé le cœur à 15 mètres. Bah oui, bah il fallait pas s'enfuir. Il y a 15 mètres là. Vous foutez pas un peu de ma gueule? Il y a pas 15 mètres, hein. Combien de gens? Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Je sais pas si je vais sauver. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de Détroit. Et c'est quoi ça? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux? Après tout ce qui s'est passé. Mais vous verrez bien ce qui va se passer. Le FBI va reprendre l'enquête, vous serez bien inclus sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi, bonne journée. Et faites bien attention. Bousillez pas ma scène de crime. Je t'en fous, toi, non, quel connard. Erimen. Je profite que ce soit un peu plus calme pour refaire un petit soutien puisque le premier a été zappé dans l'action. Ah désolé, merci Oscar pour tout à l'heure. Et merci pour celui-ci. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Mais c'est aussi une mise en garde. Nous défendrons nos droits car nous estimons que notre cause est juste. Aucun humain ne vivra en paix tant que nous ne serons pas libres. Vous savez maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons. Nous sommes vivants et nous exigeons notre liberté. Tu penses que c'est Hera 9? Les déviants prétendent que Hera 9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. Attends. C'était où le code barre là du truc magique? Ah, c'est là. T'as vu quelque chose? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Il y a un truc que je devrais savoir. Non. Comment il a changé de chemise là? C'est la zébrée, hein! Fallait la zébrée! Pourquoi il a pas la zébrée? C'est scandaleux. Le mec se change quoi. Genre il change d'habit. Sérieux.
n'y a pas eu d'effraction ? Non, aucun signe d'effraction. Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer ? Ils ont peut-être pas regardé les caméras. On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'indique qu'ils aient été impliqués, mais on savait pas du tout quoi en faire. Bonjour, j'arrive. Je sais pas si on peut... rien faire ici. Quelle est ta fonction ? Je suis technicien de diffusion. Décline ton modèle. Modèle JP300, numéro de série 336-445-581. Lancez un diagnostic. Système opérationnel à 100%. Étais-tu sur place quand les déviants se sont introduits ? Je ne me souviens pas. Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment ? Pas à ma connaissance. As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment ? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions. C'est ça, faites-les mal, faites-les mal ! L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit. Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce. Et je compte bien trouver l'unité fautive. Mais qui est-ce ? Mais qui est-ce ? Nous n'allons pas tous vous détruire s'il n'y a qu'un seul déviant. Dénonce-toi, ou deux androïdes innocents seront désactivés par ta faute. Va être désactivé. Nous allons fouiller ta mémoire et te démonter pièce par pièce pour analyse. Ils vont devoir te détruire. Tu m'entends? Te détruire. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Dénonce-toi. Et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire. Oh, de la torture. Viens, on torture celui-là. Biocomposant 8451. Régule le rythme cardiaque. Sans ce module, tu seras désactivé dans 63 secondes exactement. Je pourrais le remettre. Mais il va falloir me dire la vérité. Es-tu le déviant ? Genre, ça énerve même pas l'autre. Attention ! Attention !
Eh ben bravo, voilà, 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 voilà. Son de la mémoire du déviant qui disait. Je peux lui tirer dessus directement, attaquer. Oh non, Connor, Connor, est-ce que ça va? J'ai essayé de l'arrêter, mais... Ils lui ont tiré dessus avant. Je voulais qu'il reste vivant. Bon, l'opinion publique dégringole. Et Simon est vivant. Ce décolleté, Connor, oulala. Bon, ok. Du coup, on a l'option... On n'a pas tué Connor. Bon, ça a augmenté son instabilité logicielle, mais bon, c'est pas grave. Mais on a laissé survivre tout le monde. C'est pas mal, on a changé de... On a changé de fin. Il s'est suicidé? J'ai pas vu, en fait. Fallait prendre l'arme pour ne tuer personne. Mais je veux pas ne tuer personne, moi. Je veux tuer des gens. Je veux la mort. Ah! La Mama Black, mesdames et messieurs. Non, non. Oh, et la manette qui va encore me saouler, là. Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? Non. Restons sur nos gardes. Si on le sent pas, on file en vitesse, d'accord? Entrez. Tuons tout le monde. Tuons comment les humains. Alice. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam?
Tu peux les accompagner en haut ? Montre-nous le chemin. Je passe devant, ok ? Super. Oh là, oh là, oh là, oh là. Montre-nous le chemin. Donc tu restes là, ça te va? Après, on va se faire choper par le flic, hein. C'est sûr et certain. Je vais bien, Kara. On doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser. Mais on s'arrête pas à cause de toi, on s'en fout de toi. Les humains nous détestent. On n'a rien fait de mal. Les humains sont compliqués. Parfois, c'est difficile de les comprendre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Il est parfois plus facile de haïr les gens que de leur parler. Comment rassurer un enfant? Mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Repose-toi bien. Fermez les rideaux. Et demain, tu seras plus forte que moi. Elle se démerde. Bao. Bao. Ferme les yeux, puis ça ira bien, hein. Tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfuis. Je comprends. Je sais pas comment vous remercier. Alice n'aurait pas survécu à une autre nuit dehors. J'essaie simplement d'aider les gens quand je peux. Nous ne sommes pas les premiers à venir ici. Ces dernières semaines, nous en voyons de plus en plus. J'ignore ce qui se passe, mais les choses sont en train de bouger. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée. Elle a tué son père et depuis elle me suit. Mais c'est ça, hein, mais elle n'explique pas là. Elle dit pas la vérité. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici. Quoi? Il y a eu une allocution de Terminator à la télé? Moi j'insiste, hein. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. Nous ne pouvons pas profiter de votre hospitalité. Coûte
Vous allez faire ce que je vous dis ou je vous bute? Je vous en prie. Vous devez nous aider. Vous n'êtes pas la première. Rose, venez vite. Elle se démerde, Rose. Ouais. Ciao. Ciao. Bye bye. Ok, je suis obligé de me lever, super. Qu'est-ce en plus, j'aime pas les spaghettis. C'est Marie. Elle vient de se désactiver. On s'est enfuis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? On va l'enterrer dans le jardin. On fera un tapis de ses cheveux. Comme ça, lorsque tu t'essuieras les pieds, elle sera toujours avec toi. Laissons-les seuls. Alice? Alice, t'es pas couchée? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. C'est dingue, ça! J'avais pas sommeil. Dégage de là! Fous le camp! C'est pas grave. On l'a laissé voir déjà la dernière fois. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre, alors. Grognasse! Tout va bien, Kara? Oui. Ça va. Tu vas là où tu crois aller? On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis? En prison! Adam! On en a déjà parlé. Non! Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pourquoi? Pour de vulgaires machines? Ce ne sont pas des machines! Ils sont vivants! Moi, je suis vivant! Toi, t'es vivante, mais eux... Pas pour longtemps. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de propos. J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam! Arrête ça tout de suite! Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Tu es par Terminator. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Pas voir la police là. Attendre Rose. Ouh. Alice, où est-ce que tu t'es encore posée, toi? J'espère que Rose va bientôt revenir. Kara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. Pas maintenant, Luther. C'est une casse-couille. Tu ne le vois pas. Mais elle est super relou. Poussez-vous!
typique ado. On ne veut pas vous causer de problème à ta mère et à toi. On partira dès qu'on pourra. La police. C'est la police. Oh my god. Ils savent qu'on est là. On doit ouvrir la porte. Je savais que ça arriverait. Vite, Luther. Emmène la cuisine, cachez-vous. Dans la cuisine. Dans la cuisine. Viens, Alice. Meilleure cachette du monde, meilleure cachette du monde. T'es caché dans le frigo ou quoi? Là? Non mais ferme un petit peu le rideau quand même. Fais un minimum d'effort, je veux dire. Oui, j'arrive. J'arrive. Bonjour. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Bien sûr, entrez. Si vous avez entendu des problèmes à partir d'une gamine relou, c'est bien ici. Oui, vous êtes à la bonne adresse. Je vous prépare un paquet. Bonsoir. Un doggy bag. Un petit quelque chose. Bonsoir. Voulez-vous un café, par exemple? Un café? Vous voulez une tasse de café? Or, avec plaisir. Bah, évidemment. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects? Inhabituel? Non. Non, rien de particulier. Mais il y a absolument rien, il y a aucun problème. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Il y a personne. Non. Il n'y a que nous. Cette cafetière étrange là, elle est trop cubique. Elle est derrière le rideau. Vous avez des androïdes ici? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, j'ai rien moi. Non, il n'y a aucun androïde ici. Cachez-vous. Où ça? Devant le flic. Y a un problème? Regarde, y a aucun problème. Le café est là. C'est juste ici, monsieur. Et ce semble alors. Je croyais que vous n'aviez pas d'androïde. Ça donne du goût. C'est pas à moi. Oh, j'ai aucune idée de ce que ça fait là. Le mensonge facile. Elle est là. Non. Oh, il a même pas ouvert le rideau. Merci. Comment ça passe alors que c'est tellement cramé? Il est à 15% de soupçons, sérieusement. Mais on est face au flic le plus nul. Tu vois sur le magazine? C'est moi là. Je me mets juste à côté pour que tu puisses bien comparer. Non? Non, d'accord. Tu as vu les vêtements des. Tu vois les vêtements là? C'est des vêtements d'androïdes. Je me mets juste à côté. Comment tu t'appelles, fiston? Adam. John Café. Je m'appelle Adam. Mais est-ce que tout va bien, Adam? Les androïdes, ils... Il est juste inquiet à propos de ces histoires de déviants. Tu sais quelque chose à propos des déviants? Tu en as vu? Non. Non. Je n'ai rien vu. Le pire flic du monde. Très bien d'y aller. Merci. Le pire flic du monde. Mais please. Y a quelqu'un d'autre dans la maison? C'est le vent. J'ai rien entendu, moi. Non, il n'y a personne.
Désolé de vous avoir dérangé. Madame, bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Mais il est nul! Il est parti. Tout va bien, Alice. Ne crains plus rien. Merde! C'est Rose. Non. Annulez tout. Attends. Laisse finir la scène. Allez vous préparer. On part ce soir. Fallait pas fermer le rideau. C'est le rideau qui nous a sauvés. Mais c'est la vérité, c'est ça. Hein. Le rideau a sauvé tout le truc. Mais franchement, il y avait tous les indices à côté. Le gars laisse tout passer. Retour au menu principal. Ouais, franchement, ça n'a aucune logique, là, pour le coup. En plus, il y a eu un bruit. Il y a quelqu'un? Non, moi, j'ai rien entendu. Pas suspect. Du tout. Train de minuit. Ah, il était mauvais, ce flic. Hein. Vous avez des androïdes? Oui, moi. Très bien, désolé de vous avoir dérangé. À bientôt, madame. Ok, pas de problème. On n'a pas réussi à se faire choper, quoi. Bon, on fait la même, mais le rideau reste ouvert et ça devrait passer. On lui fait pas de café, sinon. Oui, au pire, on lui fait pas. On lui a proposé, mais on n'est pas obligé de lui le faire. Ah. On lui fait pas de café et on ouvre pas, et on ferme pas le rideau. Franchement, si avec ça, ça passe pas... Qu'est-ce que vous attendez, là, hein? Qu'est-ce que vous attendez? La police? Où est la police? Ah non, ils vont encore se poser là-bas, puis... Okay. On lui renverse dessus. Prends ton café! J'espère que Rose va bientôt revenir. Kara. Ne leur dis pas d'aller se cacher. Il faut que je te dise quelque chose. Ça me ferait mal. C'est à propos d'Alice. Pas maintenant, Luther. Ça me paraît trop. Il faut qu'il y ait le petit... Waouh ! Je vous ai découvert. Allez, viens t'asseoir. Monsieur. Bonjour. Franchement, avoir une tablette transparente, mais c'est la pire idée du monde, quoi. On ne veut pas vous causer de problème à ta mère et à toi. On partira dès qu'on pourra. Vous avez entendu un bruit? La police. Moi j'ai rien entendu. Ah bon, très bien, j'y vais. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils savent qu'on est là. Là, je peux rien faire avec le magazine. Hein. Je savais que ça arriverait. Je le savais. Ouais, ils sont même pas cachés, hein, rien à foutre. Bonjour madame. Ah bah ils vont se planquer tout seuls. Bonsoir madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? C'est dans la cuisine. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Ouais, on lui laisse une deuxième chance à ce pauvre type. Vous voulez une tasse de café?
Encore avec plaisir. Eh ben, fallait aller dans le bistrot d'à côté parce que moi, je vais pas t'en faire. Habituel dernièrement, des visiteurs suspects. Et on se pose dans le canapé. Non. Non, rien de particulier. Où on fait des mouvements de tête. Non, non. Il y a non, non, non. Dans la maison. Non, y a personne. Non. Il n'y a que nous. Est-ce que vous avez des androïdes ici? Non. Non, il n'y a aucun androïde ici. Et ce semble alors. Je croyais que vous n'aviez pas d'androïde. Mais je perds la tête, je perds la tête, je perds la tête. C'est l'ancien propriétaire, tu sais. Oh, ça appartenait à l'ancien locataire. J'ai pas encore eu le temps de m'en débarrasser. Oh, je tourne en rond, monsieur le flic. Je perds pied, je perds pied. Attention, attention! Merde! Pas un geste! Non, Luther! Le traumatisme. Oh oui, un traumatisme. Vous allez devoir terminer le voyage sans moi. Désactivation. Luther ! Et le flic est mort aussi ? J'ai pas bien vu, le flic il s'est pris une balle ? Elle va pas aimer, elle. Allez vous préparer. On part ce soir. Elle n'a rien à foutre. Luther est mort en tuant le policier. Ok. D'accord. Elle s'en bat les couilles, mais oui. Toutes les chaînes diffusent notre message. Les humains savent maintenant. On considère le message de Marcus comme une menace. Il a fait le bon choix. C'est le seul langage que les humains comprennent. La violence n'est pas une solution. L'affrontement ne nous mènera nulle part. Simon a payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change? C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sanglante. Alors viens en esclave. Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Alors je t'interdis. Ça suffit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tuer tous les humains, on a dit. C'est quelle mission maintenant? Il y a 5 magasins. Ah oui, ok. Ok, on fait cette mission-là et on s'arrête pour aujourd'hui. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les autres. Attaquer des magasins? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2h du matin, pas de violence. Nord, c'est camarade. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Je savais même pas que c'était possible. Cette nuit, nous, on était passés de amis à amoureux. J'attends ce moment depuis longtemps. C'est dommage, moi j'attends le moment avec Simon, tu comprends? Mettre des graffitis de verge. Ah, moi ça m'a fait rire. Ah, Batman casse la modérée. Moi ça m'a fait rire. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Le magasin est par là. Thank you.
Voilà ce que nous sommes pour eux. De la vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Sécurisons la zone. On va fouiller la place pour ne pas être dérangé. Hey, tu veux être converti ? Et qu'est-ce qu'on fait pour l'aventure du magasin ? Tu veux être converti ? Plus tard, une chose après l'autre. Ok, et maintenant on fait quoi ? Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à atteindre. Je répète, demain j'ai un entretien pour un job, alors je me détends en regardant la décadence. Des flics de merde aux US. Cœur sur toi, merci Xerped, merci à toi. Bon courage pour demain du coup. Le live est bientôt terminé là. J'espère qu'il a pas eu le temps de prévenir les flics. On va pas tarder à le savoir. On va venir ici déjà. Eh oh. Très bien, pour l'instant il veut pas faire le tour. Vous êtes tous libres. Soyez tous libres. Marcus. Un camion. Ah oui, il fallait analyser la vitrine, c'est ça. Chance. On se souvient. Tu es libre. Gros cadenas. Bon, qu'est-ce qu'on attend ? Ok, et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le camion. Attends, on n'est pas prêt, elle est trop pressée. Thank you.
Merci, madame. Tu m'attends ici, ok? J'ai rien oublié encore. J'ai pas terminé. C'est vous, déchets de robots. Tu es libre. Tu vois le système d'alarme ? Vous êtes libre. C'est quand qu'on tue ? S'il vous plaît, de la violence et du sang, c'est bien, c'est pour bientôt. Ça va être full violence, on va tout casser. Tu es éveillé maintenant. Va à Jéricho. Je sais qu'il y avait deux flics à tuer. Et puis bien sûr, faire tout full violence, toi. Tout casser. Tout casser. Parfait. Bien. Il me semble que c'est bon, du coup. On dirait que... Voler le camion, je pense que c'est la bon. La voie est libre. On peut entrer dans le magasin. Ok, allons chercher le camion. Vous vous rappelez de la bombe sale aussi? Tuer tous les humains! Ça y est, on est prêt à casser la baraque! S'il vous plaît, dégrader tous les magasins, tuer tous les humains, être mal poli. Je savais qu'on s'amusait bien tous les deux. Ça vient d'où, Fistiland? C'est le joueur de grenier. Parce que là, on va clairement se mettre en mode Fistiland parce qu'il y a le graffiti comme ça là, qui provoque bien, tu vois. La violence, tu vois, le point levé. Comme quand tu vises la lune, tu vois. Ça me fait pas peur. Toujours le point levé. Tu es libre. Va à Jéricho. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Merci à Melbeth. Visez ta lune. Ça me fait pas peur. Laisse nos lunes en paix. Faisons un discours d'une beauté exemplaire. Bonjour,
Vous êtes là. Je m'appelle Marcus. Pour le drama de l'humanité. Et tout comme vous, j'étais un esclave. Vous allez les trouver. Un objet conçu pour obéir. Et dans les ténèbres, les lier. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté. Je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Je suis avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Oui, alors North va se calmer tout de suite. Hein. Nous sommes le leader de Jéricho. Simon ? Alors, suivez-moi. Simon, je sais que tu es vivant. Embrasse-moi, grand fou. On va Marcus, tout casser. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais envoyer un message aux humains. La violence. La violence. Terminator activated. Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. Guide-les et ils te suivront. Arrachez les bancs. Fuck le mobilier! Poussez-vous! Poussez-vous! Dégradation du matériel public! Nous ne serons plus jamais leurs esclaves! Ah, North, elle en peut plus, quoi, elle en tremble là. Elle est. Ouh. Elle n'en peut plus! Ah, poussez-vous! Elle est chamboulée. Attends, elle va être chamboulée au moment où on va dire je préfère Simon. Je préfère qu'on reste amis. Choisir un symbole. J'ai toujours le poing levé. Arrête de sourire toi, je t'aime pas. Je vais t'aider. Marcus, la violence est le seul langage que les humains comprennent. Oh, et toi aussi, hein. Ah là 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 là, elle n'en peut plus, elle en tremble.
Le feu! Les explosions! La panique! La panique! Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pas vu. Mettre le feu! Brûlez! Brûlez tous! Pour la gloire de Satan! Attends, y'avait quoi là? Non, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement beau! C'est tellement beau! On a libéré des centaines de nos frères! On a réussi! Marcus! Marcus, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ils arrivent! Regagnez tous Jéricho! Exterminé, exterminé. Les humains vont être obligés de nous écouter maintenant. Ils vont avoir peur. Et la peur nourrit la haine. Oui. Faire la haine à l'indifférence. Exterminé. Sarah Connor. North, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? North! Ils les ont tués. Bah évidemment. Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça? Qui? Vengeance. Très bien. Pour vous punir, châtiment exemplaire. La mort ou Chichi? T'es pas obligé de faire ça. Non. Je t'en prie. Je t'en prie. Oups. Aucun crime contre un androïde ne restera impuni. La mort. Ah, il y en a qui connaissent pas le Chichi. Choisis Chichi si tu veux, tu verras ce que c'est. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Il était très exactement 2h ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. De nombreuses devantures ont été détruites, des voitures vandalisées et incendiées. Le chaos règne un peu partout dans la ville de Détroit. De nombreux actes de vandalisme et de dégradation ont été commis et des incendies font rage dans plusieurs quartiers de la ville. De deux policiers qui patrouillaient dans le secteur ont été retrouvés près d'un des magasins Cyberlife. D'après nos sources, les deux officiers ont été abattus avec leurs propres armes de service. La situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre nous? Les androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain? America! Fuck yeah! Le feu et le sang! Ah! Une violente émeute! Ça va être trop bien, ça va être trop bien! Dommage, ma soutenance de fin d'apprentissage, envoyez-moi plein d'amour. Envoyez du love pour Choose a Game. Merci pour ton soutien. Bonne chance, bon courage et bonne merde, comme on dit, il paraît. On est leader, l'opinion publique nous déteste. North, c'est camarade. Vous voyez le fait que ce soit camarade? Moi, je pense que ça sent bon, ça. Ça sent bon pour Simon. Que North, camarade, c'est trop bizarre. C'est beaucoup trop bizarre. Bon, écoutez, ça va être la fin pour ce soir. Donc, prochain live, ce sera sans doute le dernier. On va terminer le jeu la prochaine fois. Mais c'est tout pour aujourd'hui. On a bien
d'avancer. Hein. On a très bien avancé dans cette aventure. Bon, Kara et Alice, hein, c'est difficile de les faire se détester de toute façon, mais bon, là, on a fait buter son protecteur, donc déjà, elle va pas aimer. Elle va pas être contente, elle va déprimer. Amanda et Connor, bon, c'est compliqué aussi, mais je me dis que de toute façon, on va choisir de ne pas être déviant. Et enfin, moi, ce que je veux choisir, c'est de trouver Marcus. Je ne sais pas s'il faut le tuer ou le capturer, mais bref, trouver l'origine du problème, trouver Jéricho, trouver tout ça, trouver le leader de Jéricho, et c'est ce que Amanda veut. Et c'est à ce moment-là que Amanda va nous dire « Bien joué, Connor !» Et là, ce sera beau. C'est à ce moment-là que nos efforts seront accomplis. Voilà. On se retrouve un autre live pour la suite. S'il n'y a pas de nouvelles, ce sera aussi jeudi prochain, mais si c'est annoncé avant, bah, tenez-vous informés sur Twitter et sur l'onglet communauté de YouTube. Et bon, vous devriez être au courant, je pense. Voilà, donc merci à tous pour vos nombreux soutiens. C'était un live très drôle à faire et la prochaine fois, on aura la conclusion de tous nos efforts. Voilà, bonne soirée et à bientôt, je vous mets le filtre de fin là. Ah, ça va mieux, hein? Ça va mieux, ça va mieux! Allez, gros bisous!